Et on continue sur la lancée. Re-salut les petits gnous, si vous débarquez d'une autre vidéo, sinon salut tout court. nous allons continuer sur le filon sur lequel je suis tombé. C'est-à-dire, Paris, il payait des parents pour abuser sexuellement de leur fille de 12 ans, l'homme de 70 ans écroué. C'est un article de Actu17.fr qui date du mercredi 1er mars 2023 à 16h17. la mère de la petite fille a été également mise en examen et incarcérée dans cette enquête. Le suspect aurait versé près de 90 000 euros aux parents pour abuser sexuellement de leur enfant. Un homme âgé de 70 ans a été mis en examen à Paris le 22 février dernier pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans et traite d'êtres humains commises à l'égard d'un mineur, raconte le Parisien. Il est soupçonné d'avoir versé des dizaines de milliers d'euros à un couple pour pouvoir abuser sexuellement de leur fillette de 12 ans. Le retraité a été mis en détention provisoire. La mère de l'enfant a également été mise en examen pour traite d'êtres humains commises à l'égard d'un mineur et incarcéré. L'affaire a débuté 3 jours plus tôt dans le cinéma Lyon-Bastille situé rue de Lyon au 12e. Des employés constatent qu'un septuagénaire embrasse sur la bouche une petite fille et lui caresse les seins. La mère et le père de l'enfant sont présents mais ne disent rien. La police est alertée. Des marques d'affection. À l'arrivée des forces de l'ordre, le père prend la fuite avec sa fille. Le retraité présenté comme un ami de la famille, ainsi que la mère de 27 ans de nationalité roumaine, sont interpellés et placés en garde à vue dans les locaux de la brigade de protection des mineurs. Face aux enquêteurs, le septuagénaire aurait reconnu les attouchements sur la fillette, indiquent nos confrères, évoquant juste des marques d'affection. Ouais, j'y ai mis un doigt, c'était juste de l'affection. Durant leurs investigations, les policiers de la BPM ont constaté que le suspect avait versé près de 90 000 euros durant un peu plus d'un an aux parents. De l'argent qui aurait servi à obtenir le consentement de ces derniers. Le père de famille et la victime étaient toujours recherchés ce mardi soir. Donc je ne sais pas s'ils ont été retrouvés. Espérons que la gamine sera retirée de la garde de ces connards. Parce que franchement, putain de merde. Bon, comme d'hab, vous savez quoi faire. Hein. Allez, bisous.